Eh bien, salut à tous, il fait très beau dans ma chambre comme vous le voyez, et alors aujourd'hui, on va s'attarder sur un petit sujet très sympatoche, on va parler de la politique, et donc de toutes les théories politiques, et on va parler de Macron ainsi que toutes ses réformes, et on va savoir et donc se poser la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal d'écouter Macron? Hein? Ah, vous voulez pas qu'on parle de ça? Bon. Ben, c'est génial, j'avais que ça comme sujet. On va parler de quoi maintenant, hein? Ben voilà, j'ai l'air malin, tiens, j'ai plus de sujet à... C'est... Oh, mais tiens, il y a Christina Cordula à la télé. Christina... La mode... Oh! Putain, j'ai l'idée! Oh yes, elle va pas être géniale, non, j'y connais rien à la mode. Bon, ben, on va parler de la mode, les amis. Ouais. Parce que, personnellement, je me suis déjà posé pas mal de questions sur la mode. Je me suis fait quelques théories, quelques débats, tout ça, et c'est vrai que ça peut être intéressant d'en parler. Du coup, on va parler de la mode. Après cette transition! Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi la mode exactement? Est-ce que c'est le fait de mettre des habits hyper chicos, classe, et que seuls les riches peuvent s'acheter? Est-ce que c'est le fait d'être mannequin et donc de poser avec mille et une tenues et après de les proposer de manière à ce que ces tenues par la suite finissent donc par être achetées? Est-ce que c'est le fait d'adhérer à d'autres modes, genre par exemple la mode gothique, la mode nostalgique, la mode années 80, la mode 2018, enfin toutes les modes possibles. Genre à emmener, on va même s'habiller avec un maillot du PSG ou de l'OM si on est de Marseille, c'est ça? Je regarde pas le foot, j'y connais rien. Bon, ben c'est vrai que finalement la mode c'est une grande question et en général les gens ont tendance à dire ouais, il faut toujours suivre la mode, ou alors ouais, t'es pas à la mode, ouais, faut se mettre à la mode. Mais déjà, la mode, c'est assez subjectif parce que la mode, c'est pas seulement vestimentaire, c'est aussi, c'est la mode, par exemple, électronique, c'est toutes ces modes-là. Après, on peut aussi se demander si la mode ne fait pas partie également de l'écriture. Vous savez, plusieurs modes d'écriture. On peut aussi appeler mode de vie ou mode veille pour les ordis, écrans et tout ça. Bon, après, là, je me perds dans mes idées. Mais d'ailleurs, ce qu'on est aussi en lien de se dire, c'est est-ce que finalement la mode n'est pas quelque chose de temporaire? Parce que on sait que tous les mois il existe une nouvelle mode, si c'est pas tous les mois, c'est tous les 5 mois, tous les 6 mois, enfin. Bref, tous les ans, chaque année sa nouvelle mode, et chaque mois sa nouvelle mode aussi. Et à force, la mode c'est un peu tout et n'importe quoi. Bon, personnellement, quand je parlais de mode, je parlais surtout vestimentaire. Mais au final, c'est un tout en fait la mode. Mais pour se référer aux liens vestimentaires, ben je dirais que ça dépend de chacun en fait. Est-ce que par exemple la mode jogging, basket et haut là, un peu dans ce genre là, c'est la mode? Est-ce que les smoking avec les cravates et tout le bordel, c'est à la mode? Est-ce que les trucs en cuir un peu indien avec les espèces de banderoles, enfin vous savez, non pas de banderoles, de trucs là comme ça, là c'est à la mode. Et même pour les femmes du coup, qu'est-ce qu'est la mode pour les femmes? On se le demande, est-ce que c'est le fait de porter de grands chapeaux noirs avec un puissant rouge à lèvres, des yeux scintillants et une robe noire avec une ceinture un peu grisâtre et des bottes à talons? Oui, c'est la mode parisienne. Cependant... Une autre question qui est en train de m'évoquer l'esprit, j'invente de plus en plus de mots, moi, ça va pas, faudra peut-être que je rencontre des herbes. Bon, donc mon autre question c'est, est-ce que la mode a déjà rendu quelqu'un de beau ou de belle si c'est une femme? Ben ouais, parce que c'est quand même une question qu'on est en lien de se demander. Surtout que, bon... Dans l'ensemble, on sait que la mode, des fois, c'est un petit peu ringard, des fois, ça veut rien dire, des fois, c'est what the fuck, des fois, ça part dans des délires, genre énorme craquage où tu te demandes d'où ça sort, des fois, c'est carrément des mecs que tu fous en maillot de bain, slip, avec un t-shirt du PSG, de l'OM derrière, avec des bottes à talons de cuir
et peau de lézard et de yaourt et je sais pas quoi. Donc bon, à la fin, faudra peut-être un petit peu s'arrêter dans le contexte de la mode, c'est cool. Je vais vous dire ce qui est cool, c'est d'adhérer à sa propre mode. Sa seule et unique mode à soi. N'essayons pas d'être tous des clones. Je ne vois plus que des clones. Voilà. Donc, n'essayons pas d'être tous des clones. N'essayons pas de tous nous ressembler. Essayons au contraire d'être chacun qui nous sommes, avec notre façon d'être, notre mode de vie. Voilà, notre mode de vie. Notre mode à nous-mêmes. Je pense que chaque personne devrait être individuelle, ou exceptionnelle, ou unique plutôt. Ouais, ça marche mieux ça. Unique. Bah oui, parce que bon, au final, si on se ressemblait tous, ce serait quand même con. Vous imaginez plusieurs Vince Everything? Que serait le monde? Bon. Mais bon. Est-ce que la mode a déjà réussi à rendre quelqu'un plus beau ou plus belle? C'est une question qu'on pourrait éventuellement soulever, étant donné que d'un côté, peut-être que oui, mais de l'autre, je pense que les femmes qui mettent du rouge à lèvres et du maquillage, mais genre une tonne de maquillage et une tonne de rouge à lèvres, par exemple, hein, ben au final, je ne pense pas que ça les embellit personnellement. Je pense que oh, ça peut avoir un petit charme, un petit côté, voilà. Mais les femmes au naturel, très souvent, sont mieux. Enfin, ouais, plus ou moins, mais bon, oh, si, quoi, qu'en général, si, hein, c'est vrai que les femmes naturelles, c'est bien aussi. Parce que, bon, au moins, on n'a pas forcément peur d'embrasser un pot de peinture, quoi. Et puis, même pour les hommes, est-ce que la mode, c'est le fait qu'ils portent des smokings avec des cravates, costards et tout le bidule? Est-ce que c'est le fait qu'ils s'habillent en western cowboy, genre John Wayne? Est-ce que c'est le fait qu'ils s'habillent en indien? Est-ce que c'est le fait qu'ils mettent des vestes en cuir avec des jeans en cuir et qu'ils s'habillent tout en noir en mode badass? Est-ce que c'est le fait qu'ils s'habillent en mode plage, en mode chez OKLM cousin? Bah, c'est un truc qu'on peut se demander aussi finalement. Et je pense que dans tous les cas, c'est pas ça qui embellit les hommes. Ou qui les rend plus cool. Alors, c'est vrai que ça donne un côté, ça donne un genre de plus cool. C'est pas pour autant que c'est forcément le cas. C'est pas pour autant que ces mecs sont vraiment aussi cool qu'ils ont l'air malgré leur mode cool. Donc, au final, on pourrait même se demander à quoi ça sert la mode finalement. Parce que peut-être que beaucoup de gens adhèrent à la mode, vous savez, à n'importe quelle mode, n'importe quelle tendance et tout le bidule, voilà. Mais peut-être que d'autres, pas forcément, quoi. Peut-être que beaucoup de gens justement s'en foutent de la mode. D'ailleurs, c'est sûrement le cas. De plus en plus de gens s'en foutent totalement de la mode. On n'écoute même plus tous ces gens-là, genre Christina Cordula et compagnie. Genre, qu'est-ce qu'on s'en fout de leurs conseils? Bon, à part pour les gens qui cherchent vraiment à se saper comme jamais, hein. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un peu gros. Du coup, si vous vous demandez ce que j'en pense, je vous dirais que le problème de la mode, c'est qu'ils veulent faire en sorte que tout le monde s'habille exactement comme ces gens ont demandé à ce qu'on s'habille. Parce que oui, il y a des gens derrière qui créent les nouvelles modes tous les mois, tous les ans, et à la fin, bon, ça devient presque une espèce de concours avec des mannequins et tout le bidule. Mais au final, est-ce que on ne devrait pas plutôt essayer de profiter de notre libre arbitre, de notre propre mode à nous, que chaque être humain sur Terre soit exceptionnel, soit unique en son genre et amène sa propre mode à lui ou à elle? Est-ce que ce serait pas un meilleur monde si justement chacun s'habillait comme il le souhaitait sans avoir le regard mal jugeant des autres et critiquant et tout ce bordel? C'est vrai que tout ça finalement, c'est des questions qui sont pas si connes que ça à se poser et dont les réponses sont parfois évidentes. La réponse, c'est que on ne devrait pas forcément suivre ce que disent les autres. On devrait commencer par se suivre nous. Nous, dans notre manière de penser, dans notre manière de réfléchir. Alors bon, voilà, hein, Christina Cordula, t'es très gentille, t'es très sympa. Mais je sais que beaucoup de gens, malgré tout, s'en fichent pas mal de tes conseils. Après, beaucoup d'autres adhèrent au contraire à tes conseils. Bon,
Je sais que je parle à elle, mais au final, elle verra jamais cette vidéo, donc qu'est-ce qu'on s'en fout, tu me diras. Bah ouais. Bon, c'était plus pour faire une genre de transition un peu OKLM, où, tu sais, je me la joue, ouais, je m'adresse directement à toi, et je vais arrêter de parler. Donc, pour ma conclusion, je dirais que pas la peine de suivre les modes. Suivez à la limite les conseils de vos amis les plus proches ou votre famille si vous en avez. Remettez-vous vous-même en question sur comment vous vous habillez tous les jours. Et si votre manière de vous habiller ne vous dérange pas personnellement, qu'est-ce qu'on s'en fout si ça dérange les autres? Non mais c'est vrai quoi, franchement, habillez-vous comme vous voulez, on s'en bat les couilles de la mode. Ouais, pour une fois, je me suis pas censuré. Je crois. Mais du coup, voilà, faites comme vous voulez. N'essayez pas d'écouter des gens là comme ça avec leurs moustaches en mode hipster, avec leurs valises et leurs chapeaux en mode alors il faut vous habiller comme ceci, avec les bottes, avec les manteaux, avec les lunettes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais non, il faut vous habiller comme vous le souhaitez vous, pas comme des gens le souhaitent eux. Ouais, pas comme les autres le souhaitent en tout cas. Chacun est libre de vivre sa vie comme il ou elle le veut. Chacun est libre de suivre sa propre mode, son propre mode de vie, son propre fonctionnement. Et c'est mieux ainsi. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et bah pour le reste, vous connaissez la chanson parce que d'autres youtubeurs vous disent hein, qu'il faut mettre les pouces bleus, s'abonner, tout ça, tout ça. Mais personnellement, moi je trouve ça chiant, les gens qui disent tout le temps qu'il faut s'abonner, mettre des pouces bleus. Je veux dire, vous êtes assez intelligent pour savoir que si vous avez vraiment envie de vous abonner, bah abonnez-vous. Si vous n'avez pas envie, bah abonnez-vous pas. Voilà. Et mettez des pouces bleus si vous aimez et des pouces rouges si vous aimez pas. Mais évitez les pouces rouges parce que j'ai pas beaucoup de pouces bleus de base, alors voilà. Enfin, ça dépend sur quelle vidéo. Bref, bon ben, salut à tous.